et que dit Jean-Charles Péliès. Est-ce que tu en reparleras de ça? Non. Non. Donc c'est juste la méthode de Jean-Charles, justement, pour faire le silence, de demander à tout le monde de lever la main et qu'on ait le silence une fois que tout le monde a levé la main. Il y avait encore une question, c'était... Donc c'est un très grand plaisir pour moi d'accueillir Jean-Charles Péliès pour ce quatrième clic. Jean-Charles Péliès est donc vice-président innovation de l'Université catholique de Lille. Et c'est aussi quelqu'un que dans cette communauté on connaît bien parce que il a énormément contribué à développer le concept de classe renversée qui pour nous en fait rentre dans la, justement cet ensemble de pratiques qu'on appelle classe inversée au pluriel parce qu'on sait bien que c'est vraiment toute une diversité. Je le remercie aussi particulièrement parce qu'il a pris du temps pour participer au comité scientifique, donc il est aussi totalement responsable de la qualité des ateliers auxquels vous pouvez assister, de leur diversité, de leur richesse, donc un grand merci. J'ai rajouté effectivement notre action plus personnelle, j'ai demandé à Jean-Charles, est-ce qu'il y a des choses que je dis spécifiquement dans son introduction, il m'a dit, oh, tu peux dire que je suis un prof bizarre. Ah, ça veut dire, non, dis pas ça, ah, j'ai dit, c'est trop tard, c'est dit. Et j'ajoute une nouvelle couche de remerciements, de prendre du temps d'être avec nous ce matin, puisque Jean-Charles, cet après-midi, va aller courir 130 à 140 km. Et donc, donner des conférences le matin ne fait pas vraiment partie de la préparation normale d'une course de cette distance. Hein, donc c'est pour ça que je vous remercie vraiment de prendre ce temps-là. Sur ce, je vais te donner la parole et puis il y aura du temps à la fin pour poser quelques questions. Merci encore d'être là. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Hormis le fait que je serai en short avec un numéro sur le ventre tout à l'heure, je suis vraiment très content d'être ici au milieu de ce peloton. Ce peloton de coureurs, marcheurs et innovateurs, j'espère. Donc, je vais vous présenter un peu une expérience, une histoire qui se déroule à Lille depuis 5 ans, qui a fait l'objet d'un atelier participatif hier, mais dans lequel on a surtout parlé de ce qui fonctionnait. Donc aujourd'hui, je vais plutôt parler de ce qui ne fonctionne pas. Mais en fait, de ce qui ne fonctionne pas, vous allez voir, contribue à réussir quelque chose. Donc j'ai intitulé cette conférence « Oser innover dans sa pédagogie » et surtout ne pas avoir peur de l'échec. Vous allez voir ce que j'entends par échec, hein, bien sûr, il y a une certaine culture, notamment en Occident, en France particulièrement, mais pas uniquement, d'essayer de fuir les échecs, d'être sûr que tout fonctionne avant de commencer quelque chose. Et alors qu'on sait très bien que si on veut découvrir ou pratiquer quelque chose de nouveau, imaginez que vous vouliez pour la première fois faire du vélo, de la planche à voile, du ski, et que vous refusiez de tomber, ça serait un peu compliqué de vous engager dans ce genre d'aventure. Eh bien, pour la pédagogie, et notamment l'innovation pédagogique, on peut faire le parallèle. Juste avant de démarrer, je vais partager avec vous ma conception, celle de mon équipe à Lille, de l'innovation et de la pédagogie. Parce que c'est assez difficile de comprendre les choses si on a des définitions un peu différentes. Et en plus, il n'y a pas une bonne définition. Donc ce qu'on entend, nous, par pédagogie, d'un point de vue étymologique, ça veut dire marcher. Hein, marcher à côté de l'enfant, accompagner. Donc enseigner avec pédagogie, ça veut dire vraiment transmettre des connaissances, d'accord, hein, puisque ça peut être lié à l'école, même si dans l'Antiquité, le pédagogue était un esclave sans connaissance, hein, qui amenait juste l'enfant à l'école, mais ça n'était pas lié au fait de transmettre la connaissance. Souvent, on pense que pédagogie, ça veut dire expliquer clairement des choses compliquées à un élève pour qu'il apprenne. Or, la pédagogie, c'est accompagner, marcher à côté. Ce qui me fait toujours sourire quand j'entends parler de pédagogie active, qui sous-entendrait qu'il y a des pédagogies inactives, c'est-à-dire qu'on marche sur place. À moins d'avoir des tapis roulants et de s'entraîner sur place, mais je ne vois pas autrement. Donc la pédagogie, ça veut dire accompagner, marcher à côté d'eux. C'est indissociable de l'élève, de l'apprenant. Et innover, c'est encore autre chose. Innover, on se demande ce que c'est. Et parfois, que ce soit un prof d'ailleurs, un manager ou autre, innover, ça peut paraître bizarre. Quelquefois, c'est même galvaudé. On innove, faut-il innover pour innover. Et on a parfois l'attitude d'une poule qui se retrouverait devant un couteau, expression connue, comme une poule devant un couteau, elle ne sait pas si c'est bon ou mauvais. Donc le prof, il est là, dans l'innovation, le manager aussi, hein,
ça ne parle que l'enseignement. Et en se demandant, il y a une éclipse, en se demandant si cette chose est bonne ou pas. Est-ce que le couteau est bon pour la poule? Ça dépend ce qu'on va en faire, qui va manipuler le couteau. Innover, ça veut dire peut-être transformer des idées créatives, j'espère, hein, nouvelles, en un usage. Donc il n'y a pas d'innovation s'il n'y a pas un usager. L'usager principal de l'innovation, c'est l'étudiant, l'élève. J'utiliserai les deux, puisque j'enseigne surtout à l'université, mais pour moi, l'étudiant, l'élève, l'apprenant, la personne qui a envie d'acquérir des connaissances, en particulier, ou développer des compétences, est la même personne. Donc innover, c'est faire avec. On ne peut pas innover tout seul. C'est-à-dire que si vous décidez d'arrêter le cours magistral et de faire, par exemple, la classe inversée, type Marcel Lebrun, niveau 2 ou 3, ou la classe renversée, type Jean-Jacques Caillé, ou la classe mutuelle, type Vincent Fayet, etc., ça, c'est pas du tout l'innovation. Vous imposez à vos élèves une autre méthode. Passer de la méthode A à la méthode B n'est pas une innovation. On peut très bien innover dans un cours magistral, comme je le fais devant vous, ou comme je l'ai fait hier, par exemple, dans l'amphi interactif. On peut très bien innover en situation de face à face, avec des chaises et des tables rivées au sol, avec une craie, un tableau, à condition d'impliquer les apprenants dans le mécanisme. Donc c'est vraiment un partage. Voilà, innover, c'est faire avec. Innover, c'est travailler avec les apprenants, les étudiants, qui normalement devraient être les bénéficiaires de cette innovation. Alors on innove pourquoi? Peut-être pour augmenter le pourcentage de réussite aux examens, pour mieux préparer au concours, pour éviter le décrochage scolaire. Moi, vous allez voir, mon objectif n'est pas du tout celui-là. Je vais le définir juste après. Ça sera plutôt pour que mes étudiants rentrent en interaction. Mais aussi, on peut innover pour soi-même, pour le prof. Le professeur peut être aussi le bénéficiaire d'innovation. Enfin, j'espère. Exemple, j'ai des collègues qui aiment bien innover pour réduire leur temps de correction de copie à la maison. Comment je pourrais, par exemple, ne plus passer 15 à 20 heures? Et j'ai un collègue en faculté de sciences économiques, gestion, qui lui a réussi à diminuer son temps de copie, de correction, de copie, j'inverse tout, de par 5. Il passe 5 fois moins de temps à corriger ses copies pour un résultat identique, voire même meilleur. Il utilise pour cela des cartes mentales, et dans la matière qu'il enseigne, en l'occurrence la monnaie, la finance, eh bien il obtient des résultats extraordinaires. Donc on peut très bien aussi innover pour soi-même. Donc les bénéficiaires de l'innovation, les élèves, les étudiants, les enseignants. Et puis je dirais sur la fin de ma présentation, le troisième bénéficiaire de cette innovation, l'équipe pédagogique. Alors voilà donc cette poule qui est devant le couteau, le prof devant l'innovation, et qui se dit, ben, est-ce que ça peut m'intéresser ou pas? Donc moi je suis un professeur d'université, ça je vais vous raconter l'histoire de manière très courte, parce que je voudrais insister pendant l'échange que j'aurai avec vous sur la partie des échecs. Quand vous avez une idée, donc moi j'enseigne de cette manière-là, et comme je le dis souvent, j'aime beaucoup enseigner de manière classique. Donc je ne suis pas frustré de l'enseignement académique dans un amphi avec des étudiants. En médecine, j'ai 650 étudiants dans l'amphi, ça ne me pose aucun problème. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et je me pose la question, est-ce que je pourrais peut-être imaginer avec mes étudiants quelque chose de plus interactif? Parce qu'en fait, vous voyez, ça c'est le boulot d'un prof d'université. On peut imaginer que dans certains types d'enseignement, on retrouve la même chose. Et les règles, elles sont super simples. Moi, depuis 25 ans, en tout cas mes 25 premières années d'enseignement, je disais à mes étudiants, voilà, moi je connais le programme par cœur, je vais vous le transmettre. Des fois, en plaisantant, je raconte que ça fait 25 à 30 ans que je redouble, donc le programme, je le connais par cœur. Je vous transmets l'information, vous l'absorbez, vous apprenez, vous prenez des notes, vous écoutez, vous posez des questions. Et puis, il faut apprendre. Il ne suffit pas d'écouter et de comprendre le prof. Il faut apprendre. Travailler chez vous, parce que le jour d'examen, ben, je vais contrôler votre niveau de connaissance. Il se trouve que mes élèves qui réussissent le mieux ont compris ça, mais c'est dans un effort vraiment individuel. Moi, j'ai des étudiants de très très bon niveau, mais ils ne sont pas forcément capables d'échanger, de participer, d'interagir, et ça m'a posé un problème. Donc j'ai voulu les responsabiliser et leur dire, est-ce que vous voulez que mon type d'enseignement se limite à ça? En fait, du 1.0. Je suis votre site web et je vous envoie l'information et vous vous connectez. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de faire du 2.0, voire du 3.0 et de collaborer, co-élaborer?
Donc ça, c'est la motivation de l'innovation pédagogique que j'ai mise en place. Donc je répète, hein, ce n'est pas pour augmenter le pourcentage de réussite aux examens des étudiants, c'est pour que ces étudiants puissent non seulement comprendre ce qu'ils apprennent, mais en même temps échanger entre eux, mobiliser l'intelligence, mobiliser les connaissances et en faire quelque chose. Et pour cela, qu'ils interagissent entre eux. Hier, il y avait un atelier très intéressant sur la coordination, le travail en équipe, en groupe. Ça, ce ne sont pas des choses faciles. Mettre en synergie des étudiants ensemble, eux-mêmes d'ailleurs mettre en synergie des enseignants ensemble dans une équipe pédagogique ou des collègues dans une entreprise avec un manager, ce sont vraiment des choses complexes. Donc pour cela, je me suis imaginé de pouvoir créer quelque chose qui fasse que dans la classe, donc là, en l'occurrence, moi j'enseigne la biologie cellulaire et moléculaire. En gros, je parle de chromosomes, d'ADN, d'hérédité, de cellules, de division, etc. De faire que des élèves, eh bien, échangent entre eux. Voilà. De faire que des élèves co-construisent ou co-écrivent des choses. Donc presque même aussi de leur demander d'avoir une production commune, mais qui contienne un élément de chacun. Vous comprenez que ça ne soit pas seulement le plus doué, le meilleur, ou celui qui est le plus motivé, qui produise le travail d'équipe. Éviter au maximum qu'est-ce que j'appelle des passagers clandestins, c'est-à-dire des élèves qui profitent du groupe sans trop s'impliquer, pour à la fin avoir aussi une note commune qu'ils n'auraient pas méritée. Alors je me suis retrouvé dans mes étudiants, et ça s'est passé il y a 5 ans, pour la première fois, nous en sommes à la 5e expérience. Je leur ai dit, voilà, je vais vous mettre en interaction, on va travailler de manière différente si vous le voulez. Et je leur ai dit, vous allez pouvoir choisir. Voulez-vous que je vous fasse le cours normalement ou voulez-vous que je vous fasse le cours de manière différente? Et là, je me rappelle très bien, il y a une fille qui a levé le doigt et qui a dit, oui monsieur, on veut bien, mais pas la classe inversée. Parce que la classe inversée, on a déjà un tel, une telle qui le font. Et là, on ne peut plus, hein, pas plus de deux profs. Pourquoi? Parce que en le résumant, après, il y a classe inversée avec un S au pluriel. Mais la classe inversée, parfois, et notamment dans mon établissement, elle est utilisée de manière, je dirais, presque entre le niveau 0 et le niveau 1, toujours de Marseille, c'est-à-dire, je vous donne les cours, vous travaillez à la maison, en bibliothèque, et puis vous me posez des questions en classe. Donc les étudiants ont vite compris que ça leur fait 3 à 4 heures de boulot chez eux ou ailleurs. Ensuite, il faut répondre aux questions. Là, l'enseignant, il est pris un peu au dépourvu parce qu'il y a des élèves qui ont travaillé, pas travaillé, compris, pas compris. Et puis, en fait, finalement, quand ça marche, eh bien, ça fonctionne surtout avec les élèves qui comprennent bien en cours normal. Alors, on a fait une nouvelle méthode. Alors là, je suis en train de parler vraiment de la classe inversée niveau 0 parce que si elle est faite de cette manière-là, l'étudiant, il a compris que ça lui demande plus de boulot que d'écouter un prof une heure et de travailler éventuellement une heure à la maison. Voilà, et la classe inversée, moi je leur ai dit, je veux bien vous la faire, même à des niveaux 2 et 3, mais moi c'est pas ça que je vous propose. Je vous propose ce que j'avais appelé au début le « do it yourself », parce qu'en anglais ça fait toujours plus sérieux. C'était une façon différente de dire, voilà la méthode que je vous propose, j'y réfléchis pendant les vacances, elle est très simple, à partir de maintenant je ne fais plus rien, et vous faites tout. Là, évidemment, au premier rang, vous remarquez qu'au premier rang, souvent, ce sont les meilleurs, hein, les élèves avec leurs stabilos, leurs notes. En tout cas, l'université, c'est comme ça. Il y a une graduation. Ça dépend aussi du type de cours. Même des fois, moi, au premier rang, dans l'amphi, je n'ai pas d'élèves. Les deux premiers rangs, je leur dis tout le temps, vous connaissez la différence entre un avion et un amphi? C'est que dans un amphi, personne ne demande d'être surclassé en business class. Et par contre, la classe économique, elle est remplie à craquer. Et voilà, mais dans un avion, c'est pour ça. Et donc, si vous voulez, les étudiants, ben, ils m'écoutent, ils se posent la question, ça veut dire, bon, monsieur, nous faisons tout et vous ne faites rien. Ben, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il y a un programme, les chapitres sont très simples à comprendre, structure, réplication, transcription, mutation, régulation, voilà, plein de chapitres qui s'arrivent par ion, d'ailleurs. Et je leur dis, c'est à vous de tout faire, c'est-à-dire que je ne vous donne que les titres de chapitres. Nous sommes en licence 3e année, ces étudiants doivent passer en première année de master. Mais ça peut s'appliquer dans n'importe quel niveau, hein, du primaire, secondaire, dans n'importe quelle matière, pas forcément en inversant ou en renversant tout. Je dis aussi parfois, la méthode que je vais vous montrer, surtout à ne pas reproduire. Éloignez les enseignants qui ne reproduisent pas ça chez eux. Vous pouvez vous inspirer de certaines choses, mais ce n'est pas à reproduire. On peut copier-coller, hein, les profs aiment bien copier-coller, mais ne copier-coller pas des méthodes pédagogiques
d'autres enseignants, sauf le cours magistral. Donc ça marche très bien, c'est copiable, collable. Donc vous allez tout faire, c'est-à-dire que ce sont vous les étudiants qui allez faire les plans des chapitres, aller chercher l'information, je ne vous donne aucun document, trier avec discernement, vous utilisez le web, les ressources numériques, on a une bibliothèque numérique, vous pouvez même utiliser des livres. Ils ont utilisé des livres au bout de 25 ans, je n'avais jamais vu de livres en papier dans ma salle, j'ai vu arriver des bouquins. Donc vous remplissez les chapitres, vous écrivez les chapitres, vous publiez les chapitres sur des plateformes ou des documents collaboratifs, vous corrigez les chapitres, vous allez au tableau, vous faites le cours, vous dispensez le cours, vous posez des questions. Moi, je vais vous écouter, je serai une ressource. Ensuite, vous allez même préparer les questions. Ce sont les étudiants eux-mêmes qui préparent les questions de contrôle, qui montent les barèmes, qui distribuent les copies quand il y a des examens, qui remplissent les copies, qui ramassent les copies, qui corrigent les copies, qui font les moyennes, les classements éventuels. Et voilà. C'est génial, je peux vous dire. Moi, je suis là à disposition. Alors, c'est provocant parce que dans la réalité, il y a un protocole, il y a une animation. Les séances sont collectives. Donc, la classe est de cette allure. Il n'y a plus de chaises ou de tables alignées. La première année, j'avais utilisé donc une salle de travaux pratiques de physique. Maintenant, nous avons des salles un peu plus équipées. Et donc, les étudiants travaillent en équipe. Pour donner une image, j'ai dit, voilà, si nous transformions la salle de classe en une petite entreprise, une start-up, et cette entreprise, son objectif, c'est de produire des cours de génétique moléculaire, ça c'est la production, nous allons produire des cours de génétique moléculaire de niveau L3, mais compréhensibles par tous les élèves. Le deuxième objectif de ma classe renversée était que les élèves collaborent, mais que tous les élèves comprennent le cours. Donc plus de décrochage. Alors évidemment, aucun élève ne peut comprendre 100% du cours, ce qui n'arrive d'ailleurs jamais dans une classe normale. Mais je me suis arrangé pour que ce qui est produit par les élèves soit compréhensible. Donc les étudiants eh bien, travaillent en équipe. Le chiffre magique chez moi, c'est 6. Des équipes de 6, ça suffit pour être nombreux pour travailler. Deuxième élément intéressant, il y a un casting qui est fait. Les équipes ne sont pas constituées au hasard. Dans chaque équipe, il y a des bons, des moyens et des mauvais élèves d'un point de vue académique. Parce qu'ils sont tous bons en réalité. Tous les élèves sont bons. Mais ils ne sont pas tous adaptés au système scolaire. Donc j'ai des élèves qui ont plus de 18 sur 20, des mentions, et d'autres qui ont des difficultés. Dans chaque équipe, nous mettons des élèves de niveaux différents. Et ce qui a été le petit ingrédient supplémentaire, c'est que nous avons séparé toutes les affinités. Chaque étudiant a son meilleur ami ou sa meilleure amie dans une autre équipe. Donc nous avons séparé les affinités, ce qui fait que la connexion entre les équipes est parfaite. Donc les équipes peuvent collaborer, échanger. On peut faire de l'évaluation par les pairs. Si je demande à une équipe 1 de produire un chapitre ou des questions, à l'équipe 2 de répondre à ces questions, et à l'équipe 3 de corriger, ça se fait de manière classique. Alors que si on laissait les équipes se mettre par affinité, allez, faisons 8 équipes, mettez-vous comme vous voulez, eh bien on s'apercevrait qu'il y a des équipes qui avanceraient moins vite que d'autres, et vous auriez de la difficulté à gérer un travail collectif où tout le monde progresse à la même vitesse. Dans d'autres types d'exercices, puisque nous avons vers la fin du semestre changé un peu une méthode, nous permettons aux étudiants de se mettre différemment. Et si vous voulez que les élèves produisent un travail à peu près identique à la même vitesse, c'est mieux de bien mixer la composition de ces équipes. Alors, premier petit échec, c'est que je réunis toujours mes étudiants 2 heures, 1 heure et demie avant le premier cours. D'ailleurs, je ne commence jamais mon premier cours en leur disant « Oubliez le cours magistral, je vais renverser l'affaire ». Non. Je travaille avec eux pendant 1 heure, 1 heure et demie, ils viennent, c'est indiqué « Explication de la pédagogie » et nous discutons. Je leur présente les objectifs de la méthode. Je vous propose de travailler de cette manière-là pour que vous soyez davantage responsabilisés, pour qu'il y ait un peu moins d'aspect scolaire et pour que nous puissions construire ensemble les choses. Voilà. Je vous propose aussi cette méthode pour qu'il y ait personne qui soit mis sur le côté et qui décroche, de manière à ce que tout le monde profite de l'acquisition des savoirs et du partage des connaissances. Et à la fin de cette explication, on échange, ça dure 1 heure, 1 heure et demie, on échange le pour, le contre, ils me posent des questions. Et je leur demande de voter. Et là, parfois, j'ai des surprises. C'est-à-dire que j'ai des étudiants qui, malgré le fait que ça les intéresse, vont voter contre la méthode.
Et donc, depuis 5 ans, alors je leur demande de voter d'une manière particulière. Je ne leur demande pas de lever la main ou de dire « êtes-vous pour ou contre ?» Je leur dis bien « voulez-vous que je vous fasse le cours de manière renversée ?» Ou voulez-vous que je vous fasse le cours de manière classique, ce que je sais faire et ce que j'aime faire? Donc je ne suis pas en train de me défausser. Je dis ça aussi parce qu'il y a des profs, quand vous faites des pédagogies actives, dans lesquelles vous demandez aux étudiants de travailler par eux-mêmes, et si vous ne les suivez pas ou m'accompagnez pas, les élèves à un moment se disent « Ah, c'est à nous de tout faire !» Et il y a cette idée aussi entre eux de dire « Le prof, il en fait pas une, quoi !» Et même les parents peuvent dire ça. « Ah bon, c'est toi qui dois faire ça, tu vois ?» Moi, avec les bons élèves, j'ai eu un échec aussi qui va arriver, c'est des parents qui me disent « Je comprends pas, ma fille, avant, elle avait 18 sur 20, elle travaillait, là maintenant, sa moyenne est passée de 18 à 14, en plus, c'est collectif, puis en plus, dans son groupe, il y a Rodolphe et Mathilde. » Donc, on sait très bien que c'est pas non plus les meilleurs de la classe. Donc, comment voulez-vous encourager ma fille, qui avait 18 sur 20 individuellement, qui travaillait très bien dans sa petite chambre, avec ses petites fiches, avec ses petits stabilos, et maintenant, elle doit travailler en groupe, et elle m'a dit que c'est elle qui devait construire un chapitre, en plus. C'est-à-dire que, donc, vous comprenez, il faut pouvoir être capable de résister à ce genre de choses. À l'université, c'est très facile. Par contre, je comprends qu'en lycée, collège, école, etc., ça soit plus compliqué. Donc, mes élèves votent. Eh bien, comme je suis en train de vous l'expliquer, il y a chaque année entre 10 et 15% de mes étudiants qui, malgré tout l'intérêt, et d'ailleurs en discutant, hein, me disent « Nous, c'est 0% pour y aller. » Parce que je leur demande de voter de la manière suivante. Si vous voulez absolument y aller, eh bien, vous écrivez 100%. C'est anonyme, un vote anonyme. Si vous voulez absolument faire la classe renversée, vous écrivez 100%. Si vous voulez absolument ne pas la faire et faire un cours normal, 0%. Si vous ne savez pas du tout, c'est vraiment l'inconnu, vous écrivez 50. Et puis après, vous pouvez choisir 60, 70 ou 40, 30 en fonction de la tendance. Et bien, chaque année, depuis 5 ans, j'ai toujours 10 à 15% de mes élèves qui veulent faire le cours classique, 0%. Et ce sont toujours, toujours les bons élèves d'un point de vue scolaire, tout le temps. Et j'ai toujours 10 à 15%, la même quantité, qui m'écrivent 99 à 100%. Et après, le reste, c'est mélangé. Le pourcentage qui est le majeur, c'est toujours 75%. Donc, les deux tiers de la classe me disent 75%. Et je leur dis, et ça c'est important à avoir en tête, à tout moment pendant l'année, vous allez pouvoir intervenir et modifier éventuellement la méthode. Et ça, j'ai des enseignants qui font pas peur, qui disent, moi si je dois changer de méthode et être innovant, je vais imaginer une nouvelle méthode, la présenter et l'appliquer. Et pour innover, vous ne pouvez pas faire ça, parce que les élèves, ils sont habitués juste au cours normal. Si vous voulez innover, il faut leur laisser la part, une part de décision. Parce que vous pouvez toujours faire des évaluations d'enseignement. Qu'est-ce qui marche, qui ne marche pas? Chaque année, si vous discutez avec vos élèves, ils sont toujours mécontents des mêmes choses. Et moi, quand je leur demande « Comment voulez-vous qu'on améliore la situation ?», ils me répondent « C'est vous le prof. C'est à vous de régler le problème. » Alors que si vous innovez avec, eh bien, vous allez voir que les élèves ont proposé des types d'exercices ou de méthodes un peu différentes. Voilà, donc, échec minime, parce que même si j'ai 10 à 15% d'élèves qui ne veulent pas le faire, je peux vous assurer que pendant l'année, quand on travaille de cette manière-là, les élèves sont connectés, ils utilisent leurs propres ressources, ils utilisent des tablettes, des téléphones, ils utilisent des ordinateurs. Eh bien, les fameux 15% d'élèves à problème, eh bien, sont des élèves d'un tellement bon niveau qu'ils sont insérés dans chaque groupe et ils font progresser le groupe. Parce qu'on me dit, la méthode elle est intéressante, mais elle va démotiver les bons élèves. Oui, mais les bons élèves, on peut les remotiver autrement dans les groupes. Chaque groupe a la même note. Là aussi, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais quand j'ai proposé que tous les élèves d'un même groupe soient notés avec la même note, à la fois mes collègues et les étudiants ont dit, non, c'est pas possible, tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas le droit, c'est injuste. C'est ce qu'on appelle le « yes but », le « oui mais ». C'est-à-dire que votre idée, elle est originale, mais l'éducation fait qu'on vous répond de « eh ben non, hein, c'est comme ça ». Bon, il n'y a pas une journée ou une demi-journée où automatiquement je ne produise pas un « oui mais ». Après, je me retiens tout de suite en me disant « tiens, il faut peut-être transformer le « oui mais » en « oui et si j'essayais ». Oui, mais tu risques, il risque de ne pas comprendre, d'être démotivé. Ah ouais, il y a des échecs. Donc, si vous essayez quelque chose, vous allez tomber, mais il faut oser innover, oser. Et regardez ce que vous allez faire de ces échecs. Donc, mes étudiants travaillent, ils sont en équipe, les bons élèves participent, et les élèves qui ont de très grosses difficultés scolaires, eh bien, ils font partie du groupe.
Parce qu'avant, moi, j'avais des problèmes avec les élèves qui décrochaient. Et j'en avais aussi 15 à 20%. Comment raccrocher 15 à 20% d'élèves qui décrochent? C'est pas toujours évident si votre méthode pédagogique, elle est transmissive et uniforme. Alors que si vous travaillez par équipe, en collaboration, que vous passez d'une équipe à l'autre et que vous leur donnez parfois des choses différentes à faire, vous pouvez peut-être vous préoccuper des élèves en difficulté. Donc cette classe en Do It Yourself, elle a tout de suite pris le nom de classe renversée. Donc on a imaginé son nom. La classe renversée, dans le sens où on est allé un peu plus loin, même si on est resté dans des niveaux 3 et quelques de classe inversée, c'est de dire, dans la classe renversée, eh bien, les élèves deviennent les profs et le prof devient l'élève. On renverse la situation, on pousse le changement de posture. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la meilleure façon d'apprendre, enfin, on dit que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Eh bien, je dis à mes étudiants, enseignez. Donc je prends les étudiants, comment on peut vous enseigner la génétique? Vous êtes chercheur à l'INSERM, à l'Institut Pasteur, vous publiez des choses, et nous, on est en troisième année. Mais je leur dis, vous êtes connectés, vous êtes 50 élèves, donc c'est une classe de 50 élèves, vous êtes 50 cerveaux, vous êtes connectés. Imaginez un prof qui rentre dans sa salle de classe, dans un lycée, un collège, un prof qui aurait 50 cerveaux connectés, et qui se retrouve pas en sureffectif, hein, parce qu'avec une classe d'un seul élève en face de lui, puisque le prof devient l'élève. Donc vous avez une classe qui n'est composée que d'un seul élève, et qui plus est le meilleur élève de la classe, le majeur de promo, 35 ans, qui fait de la génétique. Et en plus, il adore la génétique. Et donc il va vous poser des questions, ça va être vraiment d'un très haut niveau. Et en plus, il ne sera même pas distrait, hein, parce que s'il est sur son téléphone ou s'il ne vient pas, ça va se voir, il n'y a qu'un seul élève. Donc vous allez pouvoir tester le niveau du cours que vous produisez sur l'enseignant. Donc les élèves me font cours, ils vont au tableau. Alors ils ne vont pas tous au tableau à 50, hein. On travaille dans une salle, c'est séparé, il y a un aménagement de la salle, on bouge les chaises et autres, et donc ils font les cours. Ils font les cours et ils créent les questions. Je vous ai dit, hein, les élèves construisent les questions. Ils sont capables de construire le cours, ils construisent les questions. Alors ça aussi, ça a l'air intéressant, c'est très difficile de construire des questions pour un élève. Vous demandez à mes étudiants, c'est facile d'interroger le prof? Ah non, il faut connaître le cours, et en plus on doit fabriquer le cours. Ok. Et c'est pas tout, mais quand le prof vous rend la réponse, est-ce que c'est facile de corriger un prof? Parce que moi, je vais vous faire rêver, je n'ai plus de correction de copie à la maison. Je ne corrige plus aucune copie. Par contre, il n'y en a plus qu'un seul sur les 51 personnes qui rentrent chez lui avec des devoirs à la maison, c'est moi. Donc je ne corrige plus mes copies, je fais mes devoirs. Ça prend le même nombre de temps, un peu moins. Mais c'est plus intéressant, parce que moi je préfère répondre à des questions que de corriger toujours les mêmes copies. Et puis, c'est intéressant parce que ça me permet de différencier. Si les élèves me posent des questions hyper bien travaillées, eh bien, je réponds de manière correcte et j'ai des bonnes notes. Ça leur permet de vérifier la connaissance, le niveau. Et si les élèves me posent des questions très peu travaillées, vraiment avec un barème qui n'a pas de sens, je réponds du moins bien que je peux. J'ai de très mauvaises notes, mais ils doivent me donner la correction. Alors, ils peuvent me mettre 0 ou 3 sur 20, mais ils doivent me donner la correction. Donc ils ont vite compris que plus j'ai des bonnes notes, moins il y a de boulot à faire à la maison. Ce qui fait que je suis toujours majeur de promo et que ma moyenne monte de semaine en semaine. Donc, alors, il y a des échecs. Je pense que parfois, l'exercice est intéressant, mais parfois, vous avez 100% des questions qui sont d'un très mauvais niveau. Et là, il faut revoir la question. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois de rentrer chez moi avec des devoirs à faire à la maison et d'être très déçu du niveau des questions. Donc là, ça ne prend pas beaucoup de temps, hein. Je réponds je ne sais pas, je donne des mauvaises réponses, j'ai une sale moyenne, mais les étudiants, ben, je les mets devant leur responsabilité de construire à nouveau eh bien, des questions avec des barèmes d'un niveau un peu plus élevé. Ils peuvent aussi m'interroger en classe. Donc on arrive en classe, c'est du do it yourself, hein. C'est-à-dire que les cours durent 2 heures ou 3 heures, il n'y a plus de pause, ils sont en équipe, et par exemple, les 10 premières minutes du cours, il se passe toujours des choses très différentes. Hein. Mes cours ne commencent jamais de la même manière. Les 10 premières minutes, on a toute une série d'exercices que l'on fait d'une semaine à l'autre pour les surprendre. C'est des cours, des exercices, pardon, qui ont des noms très amusants. Vous les retrouverez sur les blogs ou en m'envoyant un mail, qu'on appelle des QCM inversés, QCM intelligents, des battles, des karaokés, des tricheries obligatoires, des éclipses, des ping-pong, des tas de petits noms comme ça. Dans chacun de ces exercices, eh bien, on s'arrange pour que les élèves produisent de la connaissance, échangent, corrigent, interagissent avec le prof. Ici, vous avez par exemple la QCM inversée, où ce sont les étudiants qui construisent les questions, et le prof
pendant 10 minutes, moi je suis au milieu de la salle et j'essaye de répondre à leurs questions. Des fois, ils me surveillent, je leur demande c'est avec document, sans document, soit ils me disent sans document. Donc je suis au milieu de la salle et puis j'ai toujours tous les gens autour de moi qui vérifient que je ne triche pas, que j'ai bien mis ma calculatrice. Mais ça se passe assez bien. Alors je remplis mes QCM où je réponds à leurs questions. Et après, je retourne la situation, je leur dis maintenant corrigez-moi. Donc déjà, c'est moins drôle, parce qu'il y a un groupe qui a fabriqué des questions, moi je réponds aux questions, puis c'est un autre groupe qui doit corriger. Donc vous comprenez que le groupe qui corrige, il est obligé de rentrer en connexion avec le groupe qui a composé les questions. Donc ça veut dire que ça peut paraître un exercice ludique, mais en fait c'est un exercice qui permet la communication entre les équipes. Voilà, nous avons plein d'exercices, et ces exercices, soit ça marche super bien, soit il y a des échecs. Comme je l'ai dit au début, vous apprenez pour la première fois à faire du ski ou de la planche à roulettes, il faut tomber. Donc il faut oser tomber. Donc ne commencez pas à faire une innovation si vous avez tout cadré, sécurisé, ça ne marchera pas. Et en plus, vous allez voir, c'est avec les corrections des élèves, c'est en allant d'échec en échec que vous allez améliorer la méthode. Je vais vous donner un exemple très précis. Voici un exercice qui s'appelle les tableaux tournants, qui est un exercice, vous pouvez l'essayer, hein, monstrueux. Avant, quand j'avais un problème avec mes élèves, que je m'apercevais qu'ils n'avaient pas compris un élément fondamental du cours, par exemple, ils n'arrivent pas à comprendre comment une molécule d'ADN se divise et donne deux molécules d'ADN. C'est comme si vous êtes prof de maths et tout le monde ne comprend pas que 1 plus 1, ça fait 2. Donc, avant, ce que je faisais, c'est que je disais à l'ensemble de la classe, écoutez-moi bien, je vais vous expliquer quelque chose de super important. Vous ne pouvez même pas imaginer d'aller à l'examen si vous ne connaissez pas ça. Et pendant un quart d'heure, je leur expliquais la réplication de la molécule d'ADN. C'est vital. Et même, des fois, je rajoutais cette question, vous êtes sûr d'avoir à l'examen. Je vais vous la donner. Vous voyez. Et bien, j'avais beau faire l'explication pendant un quart d'heure au tableau. Quand j'efface le tableau, que je leur pose la question, qui peut m'expliquer ce que je viens de dire? Ben, il y en a, non. Tu leur as dit juste avant que c'était vital? Et bien, non, ils ont perdu le fil. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je dis aux étudiants, voilà, il y a un problème. On arrête un peu le travail en équipe. Tout le monde ici n'a pas compris comment une molécule d'ADN en donne deux autres identiques. Il y a 6 tableaux, vous êtes 6 équipes, vous êtes connectés. On va y mettre un quart d'heure de travail. Top, c'est parti. Dessinez-moi, équipe par équipe, tableau par tableau, une molécule d'ADN qui se divise avec toutes les annotations. Donc c'est parti, ils commencent à dessiner. Au bout de 3 minutes, je leur dis, stop, arrêtez. Mais monsieur, on n'a pas terminé, vous avez dit un quart d'heure. Changez de tableau. Et vous continuez le même travail sur un schéma commencé par une autre équipe. Donc l'équipe 1 passe devant le tableau 2 et continue à compléter le tableau 2. 3 minutes, une rotation. 3 minutes, à nouveau une rotation. Et au bout de 3 fois 3, on va dire 10 minutes, eh bien j'ai 6 tableaux, 6 molécules d'ADN, chacune construite par 3 équipes différentes. Et là, je leur dis, il ne reste plus que 5 minutes. Laquelle de ces molécules est la plus complète? En même temps, je regarde et on se met devant l'un des 6 tableaux. Et là, je complète. Je leur dis, voilà, voyez ici, ça c'est bon. Il y a 2 erreurs, je corrige. Et il manque juste 2 choses. Et les 2 choses manquantes, ben, il se trouve qu'elles sont sur le tableau 4 et sur le tableau 6. Voilà, je retourne les tableaux, ça a duré un quart d'heure. Je demande aux élèves, qui parmi vous est capable de m'expliquer en 2 mots clés et une définition comment une molécule d'ADN se divise? Je lui mets un 20 sur 20 immédiatement là, en contrôle continu. Là, j'ai 40 doigts, 50 questions. Monsieur. Parce qu'ils ont co-construit. Donc une méthode qui marche super bien. Elle marche tellement bien, cette méthode, que 3 mois après ou 2 mois après, un de mes collègues, un prof de biologie aussi, qui vient dans mes cours, parce que c'est bien de partager les cours, hein. Le meilleur conseil que je peux donner à un enseignant, ouvrez vos portes, venez à 2 ou 3 dans un cours et allez voir les cours des autres. On ne peut pas faire mieux en innovation pédagogique. Et donc, le collègue vient et je lui dis, je vais te montrer la méthode des tableaux tournants, mais tu vas kiffer un axe. Et donc, tu vas. Alors, il assiste à ma séance et puis je lui dis, allez, vas-y, pose-leur une question. Alors, lui, au lieu de poser une question à mes élèves, il leur dit, il y a un moment, il y a des choses dans le cours que vous ne comprenez pas. Oui, monsieur, la régulation du gène de l'insuline, là, c'est compliqué. Voilà. Tableau tournant. Hop, c'est parti. 6 équipes, 6 tableaux. Expliquez-moi comment le gène de l'insuline est régulé. Donc, je dis à mon collègue, tu vas voir, accroche-toi, ça déménage. Je dis plus à des coiffes parce que je dis ça déménage. Et donc, voilà mes étudiants qui travaillent, et au bout de 3 minutes, top rotation, changer de tableau, et là, catastrophe, tous les bras qui tombent. Les élèves, l'exercice bloqué. Parce que,
Alors, il ne sait plus rien, terminé. On ne peut plus rien faire. Mon collègue à côté, il dit, je te remercie, déjà j'ai des problèmes en cours. Si en plus, tu me donnes des méthodes foireuses. Parce que la question était compliquée, chacune des six équipes était partie sur quelque chose de différent, une structure, un schéma, un tableau. Et quand ils ont tourné, ils se sont retrouvés au bout de 3 minutes devant autre chose. Donc, un très gros échec. Là, je me suis dit, la méthode des tableaux tournants, elle ne fonctionne que si vous démarrez par des questions simples. Et j'aurais pu baisser les bras. Sauf que dans la salle des profs, ou en discutant en atelier pédagogique, il se trouve qu'on parle à tous les profs, et pas seulement aux profs de biologie. Petit conseil, si vous voulez rebondir devant des échecs en innovation, il n'y a pas que les élèves qui vont vous donner des idées, les collègues. Les collègues peuvent vous aider à améliorer la méthode. Et pas toujours les collègues de votre matière, et pas toujours les collègues qui innovent. 80% de nos collègues ne veulent pas innover du tout. C'est leur méthode. C'est ce qu'on appelle les résistants au changement. Il faut lutter contre la résistance au changement, qui est l'aberration la plus immense du monde. Il ne faut jamais lutter contre la résistance au changement, parce que si vous respectez les gens qui ne veulent pas changer, quand vous discutez avec eux, qu'ils comprennent que votre innovation pédagogique, elle réussit grâce à leur cours classique aussi, vous ne les stigmatisez pas, ben vous discutez avec eux. Moi, je raconte ça à un de mes collègues qui, lui, est un indécrottable du cours magistral, et il me dit, moi, je ne ferai jamais ce genre de méthode. Par contre, je pense que si la question est compliquée, mais que tu les fais partir du même schéma, c'est-à-dire si tu leur avais dit, utilisez un tableau, partez de la structure et autres, c'est-à-dire que tu les fais partir du même point de départ, la question elle peut être compliquée, ils vont réussir. On teste ça, ça a marché. C'est-à-dire que maintenant, je peux utiliser les tableaux tournants, même avec des questions très compliquées, je sais juste que si la question est compliquée, je leur donne un point de départ. Il n'y a que les résistants au changement experts dans leur domaine éducatif qui peuvent vous apporter des solutions, à condition que vous ne les stigmatisiez pas, et que vous n'arriviez pas, moi je suis un hacker pédagogique, et lui c'est un has-been de l'enseignement, ou alors avec un autocollant de la classe inversée, moi j'ai quand même fait 3 fois la clique, tu vas pas me... par rapport à toi qui... Non, non, vous ne pouvez pas progresser sans l'équipe, sans les autres. Sinon, quand vous avez des échecs, il n'y a personne qui peut vous aider. Donc mes étudiants font le cours, ils sont au tableau, donc vous voyez ici, tous les dessins sont originaux, hein, j'ai oublié de le dire, Charles Hénin, qui travaille avec moi, tout ce que vous voyez est réel, les vrais dessins, les vrais étudiants, les vrais tableaux, les vraies fêtes. Voilà 2 de mes étudiants qui font cours. Alors j'ai des profs qui me disent, moi je n'oserais jamais laisser mes élèves faire cours. Là c'est la peur. Imaginons comment je vérifie, c'est faux, c'est pas faux. Là j'ai 2 étudiants, ce jour-là, ils sont en train de m'expliquer comment fonctionne une bactérie. Et puis moi je suis élève. Ils me font cours, donc je suis en face d'eux, il y a un tableau, 2 élèves qui font le cours. Moi je suis là, puis les autres élèves sont autour de moi. Alors je pose des questions. Quand je pose pas de questions, que je fais oui de la tête, ils comprennent que ce qu'ils disent c'est bon. Puis quand je pose une question, ils ont compris qu'il y a un petit problème. Et là, ces 2 étudiants, c'était nickel, hein, ce qu'ils m'expliquaient sur la bactérie, aucun problème. Sauf que dans ma tête, je me suis dit, il y a quand même un truc bizarre. La bactérie qu'ils ont dessinée comportait 2 chromosomes. Les chromosomes des bactéries sont circulaires. Or, les bactéries n'ont qu'un seul chromosome. J'aurais pu garder ma posture de prof. Vous savez, quand vous avez un élève qui va au tableau et qui commence par quelque chose de faux, ou alors qui fait un très bel exposé et il y a une erreur, le réflexe, c'est de lui faire corriger. Ah, on corrige. Presque, il y a des profs qui disent avant de commencer ton exposé, tu vas me faire le plaisir d'enlever un chromosome parce que. Et donc, il faut éviter de rester dans cette posture du sachant qui va corriger. Et donc, je laisse mes élèves présenter leur histoire, tout était bon à peu près. Et j'ai quand même voulu leur faire comprendre qu'il y avait une erreur, mais de manière gentille, vous savez. Et pour essayer un peu de leur sauver la face, je joue le rôle de l'élève et je dis voilà, j'ai une remarque à faire, vous avez oublié de dire, mais j'ai tout compris. Hein. Que votre bactérie, là, elle est en train de se diviser. Elle est en train de se diviser et que je trouve ça important. Elle est en train de se diviser parce que comme je vois qu'elle a 2 chromosomes, j'imagine qu'elle vient juste de répliquer son chromosome. Et vous savez, quand la bactérie réplique son chromosome, quand elle en a 2, ça donne 2 bactéries, juste avant la division. Et là, j'ai l'étudiant qui se trouve à la droite du tableau qui dit « Ah ben non, monsieur, vous voyez bien qu'il y a un grand et un petit chromosome, ce que j'avais pas vu. » Et donc, si c'était une réplication, ils auraient la même taille élémentaire, mon cher Watson. Alors là, je ne sais plus quoi dire. Et là, sa collègue, juste à côté avec l'ordinateur, elle dit, oui, regardez bien, monsieur, elle me montre les ressources. Ça, les bons élèves n'aiment pas. Les bons élèves, ils aiment bien, vous leur expliquez une chose vraie, ils l'apprennent. Tandis que si vous leur dites, va vérifier, parce que sur Internet, il y a tout. Il y a une différence entre
un article du CNRS et le blog de Jérémy, 3 ans, 4 ans, qui veut partager sa passion de la biologie avec sa famille. Donc cette fille me dit, regardez monsieur, c'est très récent et assez rare, il y a 3 ans, aux États-Unis, dans une équipe du Massachusetts, il y a des chercheurs américains qui ont montré que chez 32 souches de telle espèce de bactérie, il y avait 2 chromosomes, un grand et un petit. Et ils vous apprennent des choses que vous ne saviez pas même après 25 ans de recherche. Et c'est très utile. Donc, vous voyez, vous pouvez partir d'un problème, éventuellement dire c'est un échec, comment je fais, et vous en retirez quelque chose. On en retire d'ailleurs des choses incroyables. Moi, ça m'a fait super plaisir, parce que le lendemain ou le surlendemain, je me retrouve dans un amphi de médecine, devant mes 500 élèves, et on est en train de parler de bactéries. Et je dis à mes étudiants en médecine, vous savez tous que les bactéries n'ont qu'un seul chromosome, mais sachez, c'est extrêmement rare, c'était découvert récemment dans le Massachusetts. Il y a une équipe de chercheurs américains qui a montré que chez 32 souches de l'espèce, et là il y a un étudiant en premier qui fait waouh, le prof, quelle culture! Et sa collègue qui fait bah, c'est normal, il est chercheur en même temps. On les redoublant, ça n'arrive plus, hein. Monsieur, on apprend quoi? Un chromosome, deux chromosomes. Voilà, donc ça peut être aussi intéressant. Vous partez de quelque chose qui vous perturbe, vous pouvez avoir des déconvenues dans la classe, vous sentir pas bien, faire une hypoglycémie, mon Dieu, comment je vais faire, etc. Mais vous pouvez en retirer quelque chose d'extrêmement positif. De même que vous pouvez aussi, au départ, avoir un très gros problème, et puis qui se transforme en énorme satisfaction, alors qu'il n'y a pas eu de correction. C'était il y a 3 ans, je me retrouve avec une promotion, ils étaient moins nombreux, ils étaient 35 ou 40 élèves. C'était un niveau de licence un peu moins fort, les élèves en alternance, donc un niveau général moins fort que l'autre classe. Et là, je leur explique comment on va procéder, la classe renversée. Donc vous allez travailler en groupe, etc. Et là, au bout d'une heure et demie d'explication, je leur dis, bon, rendez-vous la semaine prochaine. C'est pareil, ils avaient voté à plus de 80%, on est d'accord pour gagner. Et là, à la fin de l'explication, un étudiant, celui que vous voyez ici, il vient me voir et il me dit, monsieur, super votre truc, premier jour, il ne connaissait pas. Génial, c'est bien et tout, mais avec moi, ça ne va pas être possible. Et non, non seulement ça ne va pas être possible, mais avec 3-4 de mes collègues, là, miette. Ça sera impossible. Alors je dis pourquoi? Ben nous, ça fait 2 à 3 ans qu'on n'a plus fait de biologie. On était déscolarisés, on est revenus. Maintenant, on essaye de se remettre à niveau, on est vraiment déconnectés. Donc quand je vois le chapitre que vous nous proposez, la réplication, transcription, mutation, enfin quand je vois le menu, je comprends même pas les titres. Je comprends même pas les titres. Et il me dit, et même moi, il dit, je serais même incapable de vous dire là aujourd'hui de quoi est fait une molécule d'ADN. J'ai complètement oublié ce que c'est que de l'ADN. Alors, donc là, c'est pareil, vous dites, ça y est, c'est mort. Vous avez même ce réflexe de dire, ben, je vais peut-être les prendre à part, les remettre à niveau. Si je vous remets à niveau, vous allez pouvoir... Et après, vous dites, alors c'est pas possible, je vais les remettre à niveau. Au bout de 2 à 3 heures de remise à niveau, je vais tellement les écœurer. C'est du genre, je vais apprendre tous les termes irréguliers, ou toutes les formules chimiques, et après seulement, on va pouvoir parler du cours. Comme ils n'ont pas le niveau, c'est le meilleur moyen de les tuer. Donc ces fameux élèves, j'ai dit, j'y vais quand même. Il y a un risque, mais j'y vais quand même. Et je les ai mis dans des équipes différentes. Là, je vous dis que pendant 2-3 mois, quand je passais d'une équipe à l'autre, je les surveillais un peu plus. Je leur donnais des documents différents. J'étais plus attentif. 3 mois après, cet étudiant se retrouve à genoux, dans la même position, en train de faire exactement le schéma que vous voyez ici, que les biologistes ici ont tous reconnu, et qui est en train d'expliquer quelque chose avec tous les élèves autour de lui, en demi-cercle. Donc moi, comme je suis aussi un étudiant, je me mets là et je le regarde. Donc il dessine, il note. Et puis, il voit que je le regarde, il me dit, monsieur, vous avez l'air bizarre, vous me regardez. Je dis, non, je te regarde. Il dit, ouais, quand même, vous avez l'air bizarre. Il dit, je sais pas, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est juste, qu'est-ce que tu es en train de faire, quoi. Il dit, vous le voyez bien. Il dit, je suis en train d'expliquer la régulation de l'opéron lactose. Il dit, vous savez, la bactérie, quand elle n'a pas de glucose et que vous lui fournissez du lactose, pour couper le lactose, elle a besoin de produire de la bêta-galactosidase. Mais cette enzyme n'est pas produite parce qu'elle est bloquée au niveau de l'opéron lactose par un répresseur qui lui-même attend le co-inducteur. Et il n'a même pas fini sa phrase. Il me regarde, il dit, pourquoi c'est faux ce que je dis, hein? C'est pas bon. Je dis, non, c'est à peu près ça. À 95%, c'est ça. Mais c'est pas ça qui me perturbe. C'est pas toi qui, il y a 3 mois, me disais que tu ne savais pas ce qu'était une molécule d'ADN. Et là, tu es en train d'expliquer à tout le monde la régulation d'un gène de bactéries. Et lui, on répond devant tout le monde, bah, monsieur, je ne sais toujours pas ce que c'est qu'une molécule d'ADN.
Mais par contre, ce mécanisme, il est top. J'ai tout compris. Je n'ai qu'une seule envie, c'est d'aller voir dans un bouquin, poser des questions. Ce qui fait que l'innovation pédagogique, quelle qu'elle soit, inversée, renversée, mutuelle, flexible, en gros, la classe qui bouge, quoi, la classe coopérative, on va l'appeler comme ça, je ne veux pas dire la classe intelligente, mais en tout cas une classe avec du mouvement, eh bien, l'innovation pédagogique ne s'oppose pas à l'enseignement académique, bien au contraire, elle le renforce. Donc moi, quand je fais 3 heures ou 2 heures de classe renversée, il y a toujours des élèves qui me disent « Monsieur, vous ne pouvez pas vous arrêter juste un quart d'heure, là, on ne comprend pas, et s'il vous plaît, nous refaire, vous ne pouvez pas revenir un petit peu normal, là, pendant 15 minutes, et nous faire un cours au tableau ?» Et moi, je fais des cours au tableau de 15 minutes. 15 minutes, c'est le temps d'attention maximal. Un PowerPoint, 15 minutes. Et encore un PowerPoint bien fait. 15 minutes. En ligne, e-learning, MOOC, le temps d'attention, il est de 2 ou 3 minutes. Donc c'est beaucoup moins qu'en face à face. Et si vous voulez augmenter le temps d'attention en ligne, vous avez intérêt à mettre un petit bonhomme qui parle, voire vous-même ou un film. Là, c'est génial. Vous passez 3 minutes d'attention à 4, 5, des fois 6. Et vous découpez en petites capsules. Mais si vous avez un super bon prof qui est à l'aise comme ça devant les gens et que vous le filmez pendant une heure, et puis imaginez cette conférence ou ce cours, vous mettiez en ligne pendant une heure, mais il n'y a personne qui va dessus. On regarde juste les 2 à 3 premières minutes. Sauf que si vous découpez, et mieux que ça, si vous scénarisez et que vous faites des capsules avec des liens intelligents, alignés là, bah, vous captez encore davantage. Donc voilà un exemple important. Le plus gros échec de ma classe renversée, eh bien, c'est celui qui m'a donné la plus grosse réussite. J'ai voulu transformer ma classe en entreprise. J'ai voulu que mes élèves travaillent en équipe. J'ai dit, je ne suis plus un professeur, je suis un directeur général. J'ai dit, vous n'apprenez plus bêtement, on travaille ensemble, en business unit. On travaille, on produit, on communique. Donc les élèves, ça leur plaît bien, ils sont responsabilisés. Eh bien, j'ai obtenu ce que j'ai mérité, un mouvement social. Ah oui, on va jusqu'au bout. Et donc, c'est arrivé la troisième année, pas les 2 premières années. Oh, de temps en temps, j'avais des étudiants qui n'étaient pas trop contents, qui me posaient des questions. Je suis en communication avec eux, on travaille avec des plateformes, on utilise Facebook. Ils utilisent Facebook, parce que moi, je suis pas dans le groupe Facebook, mais on utilise le mailing, c'est lié avec le Facebook, enfin, ça fonctionne bien. Et là, c'est arrivé donc la troisième année. C'est arrivé par des filles, des étudiantes, notamment les meilleures d'entre elles. Et il y a une étudiante qui vient me voir à la fin du cours, elle me dit « Monsieur, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais bien avec 2-3 copines... » qu'on discute un peu de votre pédagogie. Alors, j'ai dit, l'année d'avant, il y avait une étudiante qui m'avait dit « J'aimerais bien parler de votre pédagogie. » Alors, j'ai dit « Oui, qu'est-ce qui se passe ?» C'était la bonne élève. Elle me dit « Ah, merci, monsieur. Je vous remercierai jamais autant. Avant, j'étais une très bonne élève, j'avais des très bonnes notes. Maintenant, j'ai des nouveaux copains, j'ose poser des questions stupides. » Et moi, je me suis dit « Ah, c'est génial. Les très bons élèves trouvent que la communication les aide. » Et donc, 2 ans après, quand à nouveau une bonne élève me dit « Monsieur, j'aimerais parler de votre pédagogie. » Je me dis « Elle va encore me féliciter. » Elle dit, c'est bien beau tout ça, au travail et tout, mais là on est arrivé aux 2/3 du cours, et nous, à plusieurs, on voudrait quand même repartir sur du classique. Là, il y a l'examen qui arrive. En fait, les étudiants, ils aiment bien l'innovation, mais plus vous approchez de l'examen, moins ils aiment l'innovation, et plus ils ont envie que vous les prépariez au cours. Parce que pour vous, l'examen, c'est une façon de les évaluer, pour eux, non, pour eux, c'est le but, c'est l'objectif. Donc, on ne parle pas des mêmes choses. Et donc, on fait une assemblée générale, c'était pas encore la grève. Et puis là, j'ai 45 étudiants autour de moi, et je dis « Exprimez-vous ». Forcément, ce sont les élèves vindicatifs qui prennent la parole. « Oui, voilà, on produit, c'est bien et tout, mais maintenant, on voudrait un peu travailler différemment. » Très bien. Et je pose la question aux autres. Il y a un étudiant qui lève le doigt en disant « Ben moi, je trouve que c'est plutôt bien, il n'a même pas le temps de finir sa phrase que les autres disent « Mais non, non, on avait convenu que c'était pas bien. » Voilà. Alors je dis, ça dure un quart d'heure, je dis « Écoutez, vous rentrez chez vous, vous m'envoyez un mail et puis je ferai le tri. » Je reçois, et ce que vous en pensez, on continue ou on continue pas? Gros échec. Ah oui, en plus, pendant l'assemblée, ça c'était un moment très dur, maintenant je vous raconte de manière paisible, mais quand je l'ai vécu, c'était très dur, il y a une étudiante, celle qui m'avait sollicité la première, elle prend la parole, elle reprend la parole devant tout le monde, et dit « Monsieur, moi j'aimerais rajouter quelque chose, mais prenez-le bien. Moi, je me demande, en fait, vous savez, nous ne sommes pas des cobayes. Donc j'ai l'impression que vous faites des expériences, nous ne sommes pas des cobayes, moi en tout cas j'aime l'enseignement classique, et puis j'ai aussi l'impression que vous faites ça pour vous. Enfin, j'ai vu un peu des conférences que vous faites, ou un TEDx, tout ça, comme si c'est aussi une façon de vous valoriser. Quoi. Alors vous savez, 20 ans la fille, hein, moi j'ai 50 ans. Alors vous prenez comme ça, puis j'ai pas voulu discuter trop avec elle, je lui dis,
D'abord, c'est pas ça, c'est pas la raison, on pourra en discuter quand tu veux, mais j'entends ce que tu dis, c'est ta perception. Bon. Et puis donc, il m'envoie un mail le lendemain, et là, les mails, 80% des mails voulaient continuer. 80%. Et 20% des mails voulaient soit modifier, et 10% des mails arrêter complètement. Donc j'ai fait le retour avec mes élèves, et je leur dis, voilà, vous êtes une très grande majorité à vouloir continuer, mais on va tenir compte de ceux qui veulent arrêter. Parce que les minoritaires peuvent avoir raison. Pas toujours la majorité qui a raison. Donc, qu'est-ce que vous proposez? On a réfléchi ensemble et ils m'ont proposé ce que je fais maintenant depuis 3 ans, qui marche super bien. Je fais 2/3 de mon cours en renversé, comme vous l'avez vu, et le dernier tiers, je fais de la classe inversée niveau 0. C'est-à-dire la classe inversée qui ne marche pas. Vous savez, la classe inversée, vous dites, tu fais tout à la maison et on fait les devoirs en classe. Mais j'ai plus de problème avec des élèves qui n'ont pas fait le cours, pas repris le cours, ça, parce qu'ils ont tous travaillé le cours. Ils ont tous avancé depuis 3-4 mois sur les chapitres. Et donc, dans le dernier tiers de ma classe renversée que j'ai inversée, donc j'ai inversé ma classe renversée, ça va simplifier les choses. Mon collègue Antoine Pally à Paris Descartes, lui, il fait de la classe inversée qui maintenant a renversé en deuxième année. Donc, à nous deux, on s'entend bien. Et donc, ça marche super bien, c'est-à-dire que mes dernières séances de cours, mes 3-4 dernières séances de cours, on travaille sur des productions d'exercices, on travaille avec des méthodes utilisées dans les niveaux 1, de Marcel Lebrun en classe inversée, et ça consolide tout le travail qui est fait en amont. Donc, grâce à ces élèves, j'ai une méthode pédagogique aujourd'hui innovante qui fonctionne encore mieux que la première expérience. Et je ne les remercierai jamais autant, parce que cette idée-là, elle vient de même qu'une année. D'une année à l'autre, il m'avait proposé de faire tourner les chapitres entre les équipes de manière différente de ce que je faisais. Et ça a donné une production bien meilleure. Mon dernier échec, bah j'en ai plus que 2 ou 3, hein. Ça a été la première année, celui-ci, vous voyez, ils ne sont pas dans l'ordre, c'est que moi, je n'avais pas fait de sciences de l'éducation, j'enseignais de manière bête et méchante, universitaire, et je n'avais pas fait de lien entre enseigner et évaluer. Parce qu'à l'université, on enseigne, après on évalue toujours de la même façon, plus ou moins. Et donc, ma première année de classe renversée, on a fait un travail phénoménal avec les étudiants, on a produit des cours incroyables, sauf que je n'ai rien changé à l'examen. Et je les ai corrigés exactement de la même manière que si j'avais fait un cours normal. Donc, quand je suis rentré chez moi, la première année, il y a 5 ans, que j'avais mon premier paquet de copies, et que j'ai corrigé, j'ai même dit à ma femme, je vois ce que ça donne, ma classe renversée, c'était une catastrophe. Ma moyenne générale en correction, elle avait chuté de 2 à 3 points. Le niveau dans les copies était nullissime. Je me suis même dit, je vais arrêter ce truc-là. Ça nous fait plaisir, mais ce n'est pas efficace. On ne fait quand même pas d'innovation pédagogique, même s'il y a une interaction entre les élèves, pour réduire le niveau de production. Et j'allais baisser les bras. Quand est arrivé le miracle, comme je travaille à Cato, donc des fois, c'est des choses qui peuvent arriver, le miracle de la deuxième session. La deuxième session. Vous savez, 10 jours après la première session, il y a la deuxième session d'examen. Et là, on récupère plus les 50 élèves, mais les 10 élèves qui ont raté la première session. En fait, la deuxième session, c'est pas de la crème. Le niveau, il est moins long. Donc, quand vous corrigez la deuxième session, c'est plus rapide. C'est pas en 15 jours qu'ils réapprennent tout le programme. Et là, j'étais catastrophé. Je me retrouve devant mes 10 copies. Avant même de corriger la première, je me dis, qu'est-ce que ça va donner? Et là, je démarre 15 sur 20, 17, 18, 19. J'ai jamais vu des trucs comme ça. Je me suis dit, tiens, ils ont même renversé l'examen. Ils sont meilleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les élèves les moins forts ont des copies aussi bonnes, meilleures que... Parce que entre les deux sessions, ils n'avaient plus tous les modules à repasser, ils n'avaient plus que 2 ou 3 matières. Ils se sont dit, ben, on va apprendre. Et donc, ce qu'ils n'avaient pas fait au début, c'est qu'ils avaient produit des cours, échangé, travaillé, mais ils n'avaient pas appris. Et donc, ça ne suffit pas, il faut apprendre. Et là, pendant 15 jours, ils ont travaillé, fait des fiches et appris sur leur production. Ce qui fait que le niveau était le meilleur. L'année suivante, la deuxième année, j'ai profité de cet échec et j'ai transformé la façon de préparer l'examen et la façon de travailler avec les élèves. Et depuis 4-5 ans, je n'ai plus de problème. Voilà, les mots les plus importants à retenir. Donc, il faut expérimenter. Vous ne pouvez pas transformer une idée créative en innovation si vous n'expérimentez pas. Donc en fait, ce qui est intéressant pour un prof, ce n'est pas l'innovation pédagogique en soi, c'est l'expérimentation qui mène avec les élèves à l'innovation pédagogique. Et pour ça, le mot-clé, c'est confiance. Si vous ne faites pas confiance aux étudiants, aux élèves, si les élèves ne vous font pas confiance, s'ils ne se font pas confiance entre eux aussi, puis si vous-même, vous ne faites pas confiance perso, ça ne marche pas. Pas de confiance, pas d'innovation.
Pas de confiance, apprenez pas à faire de la planche à voile, du ski nautique. Pas de confiance, ça marche pas. Vous êtes chercheur, vous n'êtes pas curieux, ça marche pas. Il y a des aptitudes ou des compétences minimales pour faire de l'innovation. Deuxième conseil aussi, et ça c'est plus compliqué pour des profs d'école, collège et lycée qu'à l'université, je le conçois, mais quand même, et c'est un biologiste qui vous parle, sachez qu'il existe une maladie. Alors je ne sais pas si elle est génétique, ce que je sais c'est qu'elle est contagieuse, transmissible, qu'on peut se vacciner, mais que parfois il y a quand même des établissements ou des systèmes qui la répandent, il y a des épidémies, des pandémies. Cette maladie qui empêche le prof d'innover, ça s'appelle la programmite. La programmite, alors vous pouvez souffler de programmite aiguë. C'est-à-dire qu'on vous paye pour expliquer 150 choses pendant 2 mois à 40 élèves, et si par malheur vous ne leur expliquez que 149 ou 148, oh là là, si ça se sache, si on sait, les parents, le système. Et donc on charge, et puis on fait au mieux. Et vous savez, les élèves, ils retiennent combien? 10, 15, 20, 30, 40, 60%. Même le prof, lui, il ne retient pas 100%. Et donc, quelquefois, avec ces méthodes d'innovation pédagogique, peut-être qu'on ne travaille pas sur 100% du cours, mais on travaille sur 50, 60, 70 ou 80, et on consolide. Et après, les élèves, ils peuvent aller par eux-mêmes à leur vitesse. Donc, c'est une aberration de faire 100% de la même méthode pour tout charger. Vous, c'est une indigestion. Votre repas de famille, vous avez prévu couscous cassoulet en entrée, couscous cassoulet en plat de résistance, couscous cassoulet au dessert, et puis si vous en voulez, il y a le doggy bag pour rentrer chez vous avec un peu de couscous parce que moi j'adore ça, mais vous ne pouvez pas, avant ça déborde. Il faut faire quand vous faites un quart d'heure de cours magistral, un petit exercice de 5 minutes, une sorte de trou normand, hop, on digère, et après à nouveau 20 minutes, vous alternez, et bien là le cours il devient plus digeste. Voilà. Alternez, ça c'est super important, quelles que soient vos innovations, renversez, inversez, ce que vous voulez. Et vous allez voir, vous allez pouvoir leur servir de temps en temps 15, 20 bonnes minutes de cours magistraux. Ils vont même vous le demander. Donc, alternez. N'opposez pas l'innovation au classique. Vous innovez, vous faites du classique. Faites du classique, vous innovez. Vous travaillez en équipe. Il y a des profs qui innovent plus. Il y a des profs qui innovent moins. Donc, les élèves ont besoin des deux systèmes. Utilisez tous les supports possibles, une variété. Ne passez pas tous par la même plateforme. Tout ne doit pas être numérisé. C'est pas grave, vous voyez, ça tombe bien. C'est bon. J'ai le même micro chez moi, donc c'est bon. Tout ne doit pas être numérisé, c'est vraiment important. Du papier. Ils travaillent sur du papier, ils travaillent sur des tableaux, ils travaillent sur des feuilles A4. Ensuite, on peut faire des photos, on peut utiliser des plateformes. Plus vous variez les outils, mieux c'est. Profitez de les faire travailler ensemble, même s'ils sont chez eux. C'est-à-dire que le do it yourself, faites-le par vous-même, c'est bien, mais c'est mieux le do it with others. Faites-le avec les autres. Donc quand vous les faites travailler, même à l'extérieur, en bibliothèque ou chez eux, utilisez des plateformes numériques, des outils de communication, de manière à ce qu'ils puissent travailler ensemble. J'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, mais sachez qu'on a inventé quelque chose qui marche super bien. Je vous l'enverrai par mail si vous me contactez. Ça s'appelle le devoir surveillé, non surveillé, qui ne finit jamais. Et les élèves continuent à remplir leurs copies alors qu'ils sont déjà corrigés. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé, les copies qui continuent à se remplir et à s'améliorer alors qu'il y a déjà la note. Avec ce système à distance, ça fonctionne. Ouvrez la classe, ça je l'ai dit. Partagez, ouvrez. Si vous ne voulez pas innover, allez voir un collègue, vous n'êtes pas obligé de faire un cours avec lui, rentrez dans une classe, hein, c'est pas un lieu interdit. N'hésitez pas à troubler les choses. Vous voyez, le prof qui innove, c'est une sorte de fou. Donc moi, des fois, on me dit, tu prends quel produit, hein, tu fais tes cours à jeun, hein, comment ça se passe? Innover, c'est perturber un peu l'académique. Vous voyez, vous ne transformez pas, il n'y a pas d'opposition entre ces deux personnages. Ils peuvent travailler ensemble. Donc vous pouvez être un prof à 90% académique et rajouter quelques pourcentages parfois à des moments donnés. C'est le dosage qui est important. Enfin, j'ai parlé de programmite, mais parlons d'écosystème, d'interaction, de vivant. Votre classe, c'est un organisme vivant. Il y a des interactions. Il y a des choses qui sont classiques et il y a des choses qui sont innovantes. Et voilà mon dernier dessin. Enfin, je devrais dire le dessin de mon ami Charles. Parfois, on me demande de faire des conférences d'une minute. Avec une seule diapo, ça marche super bien les conférences d'une minute, et j'utilise cette diapo, c'est ma préférée,
Et il n'y a pas de jeu de mots préparé, c'est vraiment l'image que j'aime présenter, celle de la canopée, le sommet d'une forêt amazonienne. Quoi. Dans les sommets des forêts, les canopées, c'est là où vous avez la plus grande diversité, la transdisciplinarité, c'est là où il y a la plus grande complexité. On découvre des espèces, c'est un milieu impressionnant. Par contre, les troncs des arbres, les racines, parfois, ça peut donner un côté statique. Donc si vous êtes biologiste, vous vous dites, moi je vais étudier la canopée, je ne vais pas passer mon temps devant un tronc ou des racines. Et donc vous auriez presque envie de tronçonner tout ça, et que la canopée tombe par terre, et de faire que de l'innovation, en vous disant, je m'intéresse à la complexité. Et qu'est-ce qui se passe si vous coupez les troncs d'arbres et les racines? Ben, la canopée meurt. Il n'y a pas d'alimentation, ben ça je ne vous l'apprends pas, c'est évident. On ne peut pas innover si on n'est pas appuyé sur des domaines disciplinaires. C'est-à-dire que l'enjeu de l'innovation pédagogique, ce n'est pas d'inventer des choses nouvelles ou de réinventer, c'est de faire un lien, une connexion, une interaction, un maillage entre la complexité, l'innovation, la transdisciplinarité et les matières classiques. Et ce qu'on observe, je vois ma collègue Carole qui est ici, mais avec mes autres collègues de Lille, ce qu'on observe, nous, dans notre équipe pédagogique, on organise des ateliers toutes les semaines avec les profs, c'est toujours, 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 il n'y a presque pas d'exception, c'est toujours les profs qui sont les meilleurs en cours classiques, les profs qui adorent faire des cours classiques, qui connaissent leur métier, leur domaine et qui aiment l'enseignement classique, qui sont les meilleurs en innovation, qui ont envie d'innover, de faire des choses. Les profs que l'on a, qui ont des difficultés, qui n'ont pas trop de niveau, qui ne savent pas comment aider les élèves, ils sont perdus, hein, ils sont vraiment dans la souffrance. Et ces profs-là, il faut les aider différemment qu'avec l'innovation. On peut les aider en travaillant, mais s'ils vont frapper à la porte d'un laboratoire d'innovation pédagogique en disant « innovation, aide-moi, j'arrive pas à les motiver », puis vous leur dites « ah oui, c'est très bien, tu fais un peu d'inversé, renversé, un peu mutuel, tu plantes l'application, tu les fais voter avec un boîtier », là, ils vont arriver devant leur classe, mais ils sont morts. Parce qu'ils ne dominent pas cet ensemble. Donc c'est vraiment important de bien comprendre qu'il n'y a pas d'opposition entre innover et faire les choses de manière classique. Et plus vous voulez innover de manière efficace et originale, plus vous avez intérêt à être bon dans votre domaine et à aimer enseigner de manière normale. Je vous remercie. Toutes les méthodes. Au début, les groupes font un chapitre, les groupes, on leur attribue des chapitres, au bout de quelques semaines, les chapitres tournent. Ce que je n'ai pas dit, mais je l'ai dit hier dans l'atelier, ils écrivent leurs chapitres sur des plateformes collaboratives, mais ça doit être compris par les autres groupes. Donc si un groupe fait des copier-coller ou construit un chapitre incompréhensible, les autres groupes surlignent en jaune et ça efface. Donc le but, c'est que tout ce qui est construit sur la plateforme collaborative est validé en compréhension par les autres élèves et par l'enseignant. Oui, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui viennent me poser la question spécifique j'aime bien travailler de cette manière-là, mais je n'arrive pas à apprendre. Ça arrive rarement, ça arrive. Hein. J'en ai quelques-uns qui font ça. À ce moment-là, moi, je leur donne des méthodes qui sont des méthodes qui correspondent souvent à des méthodes classiques, avec des fiches, des façons de travailler, de résumer. Donc, je les aide d'une manière un peu classique. C'est très rare hein, que ça arrive. Mais je veux dire, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on construit les questions ensemble. On construit à peu près 60 à 70 questions par semestre.
Et moi, comme je suis l'élève, je travaille avec eux les brouillons, les explications. Donc ils utilisent le prof pour répondre de manière intelligible aux questions qu'ils posent. Mais effectivement, ça peut arriver que des élèves me demandent des méthodes classiques, indépendamment de la méthode. Une autre question. Ok, bon, ma question c'est, je me doute de la réponse, mais à partir de quand tu as commencé à avoir la bougie? Non, mais moi je fais ça depuis 5 ans, 5 à 6 ans. Avant, les 25 premières années, bon, ça fait 31 ans que j'enseigne, les 25 premières années, je faisais des cours classiques, mais j'introduisais toujours des petits exercices. Donc des fois, je renversais un chapitre, j'inversais quelque chose, j'en faisais. Mais ça, mon innovation pendant une vingtaine d'années, ça ne prenait que 5 à 10% des cours, des petits morceaux. C'est seulement après avoir appris des méthodes, avec mes collègues, on a appris des méthodes de travail collaboratif, co-design. C'est pour ça qu'on a créé une design school. Et bien, on s'est dit, tiens, on va essayer d'aller plus loin et de transformer complètement un enseignement. Donc, c'est progressif, on va bien répondre à ta question. Il y a un monsieur qui est devant le vidéoprojecteur. Donc, c'est progressif. C'est très difficile de passer de 100% académique à 100% complètement innovant. C'est faisable, hein, mais... Oui. Que vous proposiez au début du cours. Oui. Et vous avez dit, il faut aller sur mon blog, vous avez... Laissez-moi votre blog. Ben, là, vous avez mon blog. Ah oui, j'ai un blog sur EduPro, je ne l'ai pas noté. Il faut taper mon nom. Il faut taper, donc, vous êtes dans Google, tapez blog, espace, JC2, et vous allez trouver. Mais m'envoyez un mail. Si vous m'envoyez un mail, j'envoie tous les liens. Donc ça, c'est plus facile. Mais tous mes cours commencent par quelque chose d'original. C'est-à-dire que mes élèves, jamais le cours commence par la même chose. Je leur dis... vous allez vivre dans chacun de mes cours un moment unique de votre vie. Que si vous êtes absent ce jour-là, plus jamais dans votre vie, vous vivrez cet exercice. Alors, je dis, c'est quoi mon unique? Il faut le dire. C'est irrattrapable. Donc, tous ces exercices sont différents. Et à chaque fois, il y a des mises en situation différentes. Donc, si je vois mes élèves 30 fois dans l'année, j'ai 30 façons différentes de démarrer leur cours, toutes avec un sens. Et ça permet d'avoir des élèves qui sont dynamiques. Parce que souvent, les élèves arrivent, ils installent leurs affaires. C'est toujours le même rituel. Le prof est là, est-ce que vous avez des questions, où se trouve la prise, ou quelqu'un peut me dire que... Et puis, ils n'écoutent pas. C'est seulement au bout de 5 à 6 minutes que quand vous êtes au tableau, vous dites, voilà, on va commencer le chapitre 1, qu'ils écoutent. Tout à l'heure, tu parlais de la course à pied. C'est comme si tu pars faire un marathon, et puis que tu t'habilles, hop, tu parcours tout de suite à fond. Non, il faut faire d'échauffement. Les élèves, ils ont besoin d'un échauffement, ce que l'on appelle dans les exercices le brise-glace. Donc moi, les 5 à 10 premières minutes de cours, comme je n'ai pas le temps de leur faire de la gymnastique pendant 5 à 10 minutes, je leur fais faire de la gymnastique intellectuelle. Et donc les cours commencent pile à l'heure. Donc quand un cours commence à 8h ou à 9h, ils commencent pile à l'heure, parce que les 5 à 10 premières minutes, c'est tout de suite une activité. QCM inversé, QCM intelligent, tableau tournant, on a plein d'exercices. Et quand au bout des 10 minutes et des 15 minutes, ils sont super chauds, ils ont produit, ils ont interagi, hop, c'est parti, do it yourself, et là, ils travaillent en équipe. Tu ne peux pas laisser rentrer 45 personnes, 50 personnes dans une salle et dire, hop, faites par vous-même. Il y en a qui vont aller boire un café, d'autres. Ils peuvent rentrer et sortir comme ils veulent. Les porcs peuvent rentrer, sortir, c'est important. Vous savez, tout à l'heure j'ai dit que j'étais un biologiste et que je vous ai parlé de la programmite, mais il m'a fallu un quart de siècle pour capter que tous mes élèves n'avaient pas envie d'aller faire pipi en même temps, boire un café en même temps, téléphoner en même temps, prendre une pause en même temps. Des fois tu fais 55 minutes de cours, tu dis c'est la pause, il y en a 10, ils ne veulent pas de pause. Et il y en a d'autres, alors que là ils peuvent rentrer, sortir, comme ils sont notés, ils ont une note unique, par groupe, après il y a une différenciation en parallèle, c'est pas exactement comme je dis. Et bien, ils se demandent la permission entre eux. Il faut le faire. Des fois, ils disent, on n'a pas fait de bonne. Tu peux sortir quand tu voulais. Ouais, mais dans le groupe, si je sors trop, voilà. Donc, vous les responsabilisez. Et ce sont des cours de combien? Alors, je fais des cours de 2 heures, sans pause. Des cours de 3 heures aussi. Mais j'ai aussi des séances d'une heure. Donc, j'ai d'autres, en école d'ingénieur, j'ai les élèves des fois une heure. Ou des fois, j'interviens dans des interventions que j'ai moins longues. Alors là, quand j'ai une heure de cours, je ne prends pas mes 3 heures que je réduis en 1 heure, ça ne marche pas. Donc si vous avez une séquence de 3 heures et que vous réduisez en 1 heure, ça ne passe pas. Il faut créer un autre séquençage. On va prendre une dernière question ici. J'imagine qu'il y a une banque d'idées qui doit être votre blog, ou il y a une autre banque d'idées quelque part pour initier justement ce... Oui, en fait, dans le blog c'est plus compliqué parce qu'il faut aller chercher partout, ça fait déjà longtemps qu'il existe, il faut chercher. Moi, si vous m'envoyez un mail, je peux déjà trier un peu.
Il y a un livre qui est sorti, maintenant il est réédité, il y a un livre qui est sorti maintenant qui résout pas mal les choses. Et là, on est en train de travailler avec une collègue pour travailler sur un livre qui... Ça sera un livre, le titre... On est sur un titre du genre « Je déteste innover ». Pour montrer « Je déteste l'innovation telle que les gens souvent la présentent ». Et là, dans ce livre, on va mettre des séries d'exercices. Quand vous allez sur Internet, dans des blogs, vous allez voir, il y a des tas de types d'exercices. Moi, quand par exemple j'ai envie de créer un nouvel exercice, je vais me promener dans le web, je mets des mots-clés, je trouve des exercices ludiques et autres, et je les transforme et je les adapte. Mais je peux vous en transmettre, mais vous savez, quand vous avez testé 2-3 exercices que vous trouvez dans un blog, ça vous donne envie d'aller en chercher par vous-même et de les transformer aussi. Et quand vous prenez des exercices d'un collègue, le premier réflexe, c'est de faire exactement. Moi, si je te donne la technique des tableaux tournants ou la technique du QCM intelligent, peut-être qu'au lieu de te dire « Ah, j'arriverai pas à faire ça avec mes élèves », tu te dis « Oui, mais j'arriverai pas avec mes élèves », tu dis « Oui, et si je transformais cette partie pour le faire différemment ?» Et tu fais ton propre exercice. Alors, je suis désolée, on dit très très longtemps. Voilà, mon rôle ici consiste uniquement à frustrer les gens. Merci à vous, en tout cas.